Bonjour à tous, cette semaine le plein de nouveautés avec notamment eh bien, le tome 5 de Kaiju numéro 8. Donc voilà, votre héros préféré, Kafka, eh bien, a subi un combat et est en rétablissement. Ensuite, nous avons le manga de foot Blue Lock qui sort eh bien, son 8e tome. Voilà, donc eh bien, la bataille entre les personnages se poursuit, donc à vous de voir. Ensuite, nous avons la nouveauté No Longer Rangers, dans laquelle eh bien, des super-héros font semblant de combattre les méchants, car en fait, ça fait 12 ans déjà qu'il n'y a plus d'ennemis sur Terre. Et donc, eh bien, l'un de ces méchants va essayer d'intégrer le groupe de Rangers afin de les démasquer au grand jour. Nous avons également, à l'instar de son précédent tome, une anthologie qui s'appelle 22-26, par l'auteur de Chainsaw Man, qui du coup, voilà, eh bien, il s'agit donc de ses petits récits qu'il a écrits quand il avait, enfin, les récits qu'il a écrits, pardon, entre ses 22 et 26 ans. Enfin, nous avons jeudi, Arslan, voilà le 15e tome. Donc, notre héros croyait qu'il allait avoir du répit, et bien non, il arrive dans une petite ville où et bien, des combattants arrivent aux portes de la ville. Vendredi! Vous serez heureux de retrouver le tome 23 de Seraph of the End et le 5e tome de Bucket List of the Dead avec des morts-vivants partout. Nous venons de parler des mangas que vous allez lire et pour ceux que vous avez déjà lus et que vous souhaitez revendre, les meilleures reprises en cash ou en échange, c'est ici. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.